Fais-le. Vas-y. Hé, mec. Et ces armes, tu comptes t'en servir contre qui? Je t'ai pas déjà dit que c'était pas tes oignons? C'est pas mes oignons. C'est justement mes oignons. Je ne vends pas sans savoir et il n'y a pas d'exception à la règle. Nous exigeons qu'on nous dise contre qui les armes que nous vendons seront utilisées. Tu pourrais te servir de ça contre mes amis. Ou pire encore, tu pourrais t'en servir contre ma famille. Ou pire encore que ça, tu pourrais être un flic. Tu es rapide. Très rapide, seulement elles ne sont pas chargées. Je te pose la question pour la dernière fois. Contre qui as-tu l'intention de te servir de ces armes? Contre les deux dragons, les jumeaux sont eux qui m'ont fait ça. Les deux dragons. Bonne chance. Ok. Je veux 80 000 dollars cash. J'espère que tu retrouveras ta main. Des 25 000. Tiens, regarde là-bas. Le vent commence à se lever. C'était quel sujet, s'il vous plaît? Oui.
On est venu braquer votre bateau. Comme vous n'auriez pas remarqué, mesdames et messieurs, ceci est un hold-up. Nous, l'armée privée du peuple, avons juré de nous venger de ces jumeaux maudits, les dragons. Par tous les dieux, étranglons cette paix avilissante et vaine. Venez, mes chiens de guerre, chantez-moi votre musique. Je n'ai de vie que si les épées chantent, et que les étendards flottent au vent et flambent dans l'azur, et que la terre enfin se gorge de sang pur. Alors mon cœur, comme les loups, hurle sa joie. Sous le chaud manteau de l'été, je suis heureux quand les tempêtes tuent la paix corrompue de la terre, que l'éclair troue le ciel d'un doigt sanglant, que le tonnerre furieux me berce de sa musique, que les vents déchirent les nuages, et que sous les cieux du Seigneur, les épées chantent, et qu'elles chantent rouges de sang. Que l'enfer nous rende bientôt la chanson des épées, et qu'il efface pour toujours ce mot haï de paix. J'avais dit aux jumeaux que je reviendrais. Je leur avais dit que j'aurais une meilleure armée. Aujourd'hui, j'ai de l'argent. Et je vais leur faire payer très cher ce qu'ils m'ont fait. Ils ne m'oublieront jamais. Je vais les piéger. Je vais les dépouiller de tout ce qu'ils ont. C'est dans tous les journaux, Martin. Bougez pas! Vous êtes en état d'arrestation! Et pas de mouvement brusque! Jim, il a leur droit. Allez, espèce de fumier! Mais qu'est-ce que vous voulez? Putain de bateau de croisière! Vous allez répondre à chaque question qu'on vous pose. Allez, accouchez minable! On peut pas vous dire ce que vous êtes, espèce de pute parle! Vous me raconterez vos vies avant que j'en ai fini avec vous! C'est un commenté, rien d'autre! Ah, il veut nous avoir, on sait rien. On était à bord d'un bateau. Ta gueule, Vélé. Crache le morceau, parle. Debout, debout, regarde-moi. Regarde pas tes pieds, connard. Regarde-moi, tu entends, et parle. Parle, parle-moi du bateau de croisière. Parle, maintenant. Parle-moi du bateau de croisière. Parle. Fumière, il vous faut le boulot, vous faites bander les mecs. Allez, raconte-moi tout vite ton sac. Le hold-up du bateau de croisière, c'est toi, hein. Toi et ton frangin, hein, vous le... J'ai rien à dire. Bon, parle-nous un peu de ce médaillon. Il s'en va partout. Non, si. Celui-là est à toi, salopard, tu étais à bord. Non, c'est pas à moi. Tu mens. Espèce de trou du cul, tu vas parler, oui ou merde? Non, 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 toi et ton putain jumeau, vous étiez à bord. Je sais, alors parle-moi du bateau de croisière, parle. Ton frère et toi, vous étiez à bord, on a la preuve. Et la preuve, c'est ce médaillon qu'on a trouvé. Un médaillon? Tu vas m'en parler, oui. Mais à table, le fumier. Regarde-moi, ouais, s'il le faut, on restera ici jusqu'à demain matin. Alors vas-y, accouche, décide-toi, je t'écoute, parle-moi. Tu finiras bien par avouer, tu en as toute la nuit. Bon, soyons sérieux et parlons un peu de cette histoire. Ah, croisière. Non, c'est moi qui t'emmerde, c'est toi qui vas parler, trou du cul, c'est toi. Je parle pas au con. Ouvre-moi la pensée. Tu vas parler. Oui, tu vas parler. Tu es devenu resclave. Parle. Relâchez, Mac. Pourquoi? Il y a un problème? Non, non, mais je vous ai dit de les relâcher. Maintenant. Pourquoi? Ils étaient sur le bateau et je peux le prouver. Le hold-up, ça n'a jamais été eux. Alors relâchez-les. Un séjour à foutre le camp, allez. Non, pas si vite, attendez, je voulais vous parler. Mais pourquoi vous les avez laissés partir? Parce que ces types m'ont sauvé la vie, il y a presque 10 ans, et ce sont des amis de vrais. Que ce soit des amis à vous, je m'en fous. J'ai assez de preuves pour les envoyer au ballon. Tenez-vous-en de vos preuves. Votre problème, c'est votre haine personnelle pour ces garçons qui vous empêche de penser comme un serviteur de la loi. Vos sentiments personnels vous rendent sourd et aveugle. Si c'est ça votre opinion, vous n'avez qu'à me retirer l'affaire. Vous voulez que je vous dise, c'est déjà fait. Nous parlons d'un vrai palais, d'une occasion unique. Six chambres de maître, moquettes dans toutes les pièces, et finition érable, que demander de plus? Vous avez votre propre sauna, votre jacuzzi, un billard américain, et enfin votre propre piscine. Combien? 4 millions. 3? 2 millions et nous vous offrons un excellent second prêt hypothécaire. Hey, Jake! Jake! Cette piole pourrait contenir un stade entier. Et derrière, là-bas, il y a assez de place pour faire un camp d'entraînement.
Non. Pour ces mecs, le kung-fu, c'était la grande affaire. Ils étaient tous plus ravis que l'éclair. Votre déjeuner, monsieur. Fous le camp avec ça! Ok, j'ai passé des appels d'offres dans les revues d'arts martiaux. De boxe, chasse et mercenariat. J'ai dit que c'était le plus sophistiqué, le plus fantastique des jeux de survie. Tu payes combien par personne? 200 000 $ pour le champion des champions. Choisis-les bien. Je veux les meilleurs. Révoltés, mercenaires, sonnards et tous les marginaux. Cette fois, on a tout ce qu'il faut, on est prêt à partir. Tous les bagages sont faits. Hé, hey Mike, tu te dépêches? Allez, les filles, préparez-vous, perdez pas de temps. À tout à l'heure. Parfait, dans 20 minutes. Bon, ça se présente bien. Allez, en route. Ces cons de jumeaux s'imaginent qu'ils partent en vacances. Vous parlez de vacances. Facilement qu'un dentiste une dent. Ce chien est un tueur, il fera du hachis de ces pauvres dragons. T'es aussi dur que ça partout. Ensuite, j'ai Earn. C'est pas un homme, c'est une montagne. Complètement débile et trop bête pour qu'on lui fasse mal. Mais il peut faire mal aux autres. Ça, c'est le chenal principal. Par là, droit. C'est magnifique. Le gros lard. Pour le braconnage, c'est le champion. Partout où il passe, rien ne repousse. Dans combien de temps va arriver? On a 8 jours de vacances. Profite du temps qui passe. Les ninjas. Des tueurs professionnels et géniaux. Sans scrupules, fanatiques. J'ai un faible pour eux. Pour avoir un très beau buste, rien ne vaut la gymnastique. Ah si, les injections de silicone. Non, je plaisante. C'est pas du travail d'artiste, ça. Cartouche. Déverrouillage. Oh. Allez, vas-y. D'accord. De les voir faire du hachis avec les jumeaux. Oh oui. Et puis j'allais oublier, il y a mes détraqués. Hé, c'est ça. Tu sais que t'as pas besoin de ça? Le masque rouge de la mort, le maître ninja. Tu prendras jamais de poisson avec mon soutien-gorge. Mais qui est-ce qui parle de poisson? Ballet sorti de l'enfer. Passe-moi ça, tu veux bien? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des munitions? Je me suis dit qu'on ferait peut-être une partie de chasse à la manière dragon pour changer.
porter. On va aller chasser. Allez, prenez le ravitaillement, les filles. On va aller chasser. Ce sera rigolo. On va aller chasser. On va aller chasser. On va aller chasser. Non. On va aller chasser. Mais c'est du sang. Oui, j'ai l'impression que nous sommes attendus. Défaites les bagages, on va revenir. Cette nuit, c'est cette nuit que je voulais avoir. Nous envahissons les villes si jamais la population nous traite avec indignation. Nous lâchons menu parce que nous aimons les hamburgers. Bertolt Brecht, 1926, chanson du soldat. Soyez les bienvenus dans ma petite retraite. J'espère que vous profiterez de votre stage. Vous avez reçu une bonne avance sur votre paye. Je pense que vous êtes satisfait. À présent, mon armée est complète. Dis-moi, cette flèche cet après-midi, ça voulait dire quoi? C'était la carte de visite d'un vieil ami qui voulait s'amuser. Aucune raison de s'en faire. Tiens, avale ça, ça t'aidera à mieux dormir. Et à récupérer. Et à s'amuser. Comme des débutants. On
on peut pas dormir, oncle Jake va arranger ça, il va vous chanter une berceuse. Dodo, mes chats. C'est l'heure du réveil. Bonjour les enfants. Soyez les bienvenus au camp de vacances d'Oncle Jake. Je parie vous me demander comment vous êtes arrivé là. Oh, quelle est vilaine. Qu'est-ce que tu as à faire de nous, Jake? Mesdames et mesdames, venez, venez assister au plus fantastique spectacle du monde. Assez déconné, on le sait qu'on est la grande attraction. T'as raison, les jumeaux pédés. Mickey, Minnie, McNamara. Vous voyez ça? C'est le jour des surprises. Commence quand ton spectacle? Soyez patient, vous le saurez demain. Dans les bois, aujourd'hui, une surprise t'attend. Si tu vas dans les bois, aujourd'hui, porte un déguisement. Pas de blague, pas de rigolade. Une balle dans la peau serait trop facile. T'es malade. Ouais, mais je suis un homme heureux. Hey, Jake. C'est quoi ton jeu exactement? Il est d'une simplicité enfantine. Il s'agit de s'emparer du fanion. Carl! Les règles ne sont pas compliquées. Nos jumeaux seront sans armes. Il n'y aura que vous et vous seul à savoir exactement où le fanion se trouve. Les jumeaux essaieront de s'emparer du fanion. Votre boulot, c'est de les tuer. Il y a une prime de $200,000 cash pour celui qui les abattra. Les jumeaux seront traqués 24 heures sur 24. Les chasseurs, c'est-à-dire vous, seront répartis en trois groupes, chaque groupe assurant 8 heures de travail continu. Maître du monstre, tu dirigeras le premier groupe. Masque rouge, toi et les ninjas, vous formerez le second groupe. Et toi, Grolard, tu prendras le troisième. Pour rendre la chasse plus intéressante, les chasseurs auront le choix des armes, à l'exception des armes à feu. L'armée privée du peuple patrouillera le périmètre de l'île. Une fois la chasse ouverte, celui qui essaiera de quitter l'île sera mis à mort. Chasseurs, notez bien ceci. Les jumeaux ne sont que deux contre toute notre armée. Mais ce sont des maîtres du kung-fu et du karaté, des professionnels accomplis. Et ce n'est pas tout. Ils sont capables de survivre en pleine nature, dans les conditions les plus dures. Ne les sous-estimez pas. Quand est-ce que la chasse commence? Au lever du soleil demain. Les jumeaux partent 2 heures avant nous. Bonne chance. Et que les meilleurs l'emportent. Il y a des Uzis, des M16, des fusils de chasse. Rien, quoi, la panoplie du guerrier du dimanche. Ces gars ne font plus le poids. Attends, attends. Qu'est-ce que c'est que ça?
de l'héroïne. Hé, hey, Mike. Réveille-toi. Jake ne va pas tarder. C'est moi! Je vous salope! Et enlevez-moi cette bâche! Ouvrez la grille! C'est à vous ces jupettes, mesdemoiselles. Elles sont un peu trop larges. À mon avis, elles sont à toi, sale con. Habillez-vous! Vous avez 2 heures, les filles. Et vous endormez pas. Martin, Jake est complètement fondu. À part mon couteau, il nous a rien laissé. On a 2 heures devant nous. Il veut le suprême jeu de survie, ce cinglé. Il va l'avoir bientôt. Je vais découper ça. Tiens-le. On verra qui sera tué et qui tuera. On va commencer par le chien. Ouais. Tiens, Franck, prends Apache et retrouve leur piste. Allez, viens, Apache. Ok, il les a sentis. Allez, viens, Ern, allons-y. Allez, trouve-les, trouve-les, Apache. Oui, mon chien. Oui, t'es un bon chien, trouve-les. Flair, flair bien. Mike, le chien a trouvé notre piste. Allez, retrouve-les, Apache, vas-y, oui. Oui, t'es un bon chien, t'es une brave bête. Allez, va après eux, Apache, va, va. Allez, allez, va, Apache, va, cours, retrouve-les, ils sont à toi. Oui, sors-les de leur trou, flair, viens, mon chien, flair. Allez, cours, le petit, cours, vas-y, démusclé. Oui, t'es un gros chien. Allez, cours, vas-y, vas-y. Il va en faire de la bouillie pour chat, c'est sûr. Allez, vas-y, attaque, attaque. Allez, attrape-les, Apache. S'en sortir.
Mon chien est mourant. Je vais crever ces salopards de mecs. Hey, Jake, il est mort, son chien. Ta gueule, toi. Les jumeaux sont morts, tu peux me croire. J'ai vu ce qu'un chien de maton pouvait faire à un forçat évadé. Il en reste que quelques morceaux. Ça vaut même pas la peine de les enterrer. Y arriver? Ouais, ouais, t'inquiète pas. De la dynamite. Formidable. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Un lance-grenade, je crois. Ouais, c'est un lance-grenade. Excellent, prends-le. Prends tout ça. Dépêche, dépêche-toi. Dépêche-toi! Et donne-moi ça, donne vite. Oh merde! Comme arme, on fait pas mieux. Tu peux me croire, Jack, les jumeaux sont plus dans l'île, si tu veux mon avis. Ben, je crois que si. Maintenant, c'est à toi et à ton équipe. Encore un, Martin. Après, tu trouves des branches bien feuillues pour cacher le tout. Dépêche-toi. Le chien est mort. Le bateau a sauté, et ils sont toujours quelque part par là! Tu es sûr que vous êtes prêts? On finit de poser les pièges. Les autres peuvent échouer, mais pas nous. Espérons-le pour toi. Back, only straight ahead, don't leave tracks,
Coucou, regarde ce que l'oncle Jake a trouvé. Une plaque de flic. Et c'est pas tout. Écoute ça. Il y a des Uzi, des M16, des fusils de chasse. Bah rien quoi, la panoplie du guerrier du dimanche. Ces gars ne font pas le poids. Ah, on fait pas le poids. Hein. Tu vas avoir de gros ennuis. Emmène-la et enferme-la dans la cage avec l'autre pétasse. Allez, viens. Remue-toi! Fais quelque chose! Parce que ma patience est à bout. Je veux les voir morts. Cherche-les, trouve-les. C'est inutile. Si nous sommes assez patients, bientôt, les chassés deviendront les chasseurs. Laissons notre proie venir jusqu'à nous. Et quand les jumeaux seront là, je les tuerai. Si ça t'amuse d'attendre, te gêne pas pour moi, pauvre connard. Mets-moi jouer le jeu sur le terrain. Alors regarde où tu mets les pieds, mec, ou ce sera toi que les jumeaux prendront au piège. Jake! Jake! Sors-nous de là, je t'en prie. Je crois que Tessa va mourir. Une junkie, moi, ça fait rien dans la balance. Toi, t'es bonne pour un billet de retour. Envoie en patrouille 4 ninjas maintenant. Et les autres hommes de leur équipe, cette nuit. Mais les ninjas ne se battent jamais la nuit. On leur donnera des torches électriques. Et revenez pas sans eux, compris, ou vous êtes morts.
Ils sont morts. Ils sont morts. C'est vrai, Jack, ils sont morts, tous les ninjas. Alors pourquoi est-ce que toi t'es toujours en vie? Y'a rien au monde que je déteste plus qu'un lâche qui fuit le champ de bataille et qui vient pleurnicher. Tes ennuis dans ta vieille cotine et marre-toi. Jake, viens voir. J'ai une petite suggestion à te faire. Je crois que ce serait mieux si le maître du monstre et moi on travaillait en équipe. Écoute un peu, gros lard. Te mets pas en travers de ma route, parce que ton aide, j'en ai rien à foutre. Jake, je t'en supplie. Jake, non, je suis pas un lâche. J'ai perdu la tête. Jake. Comment il aime la viande. Non, fais pas ça. Je t'en supplie. Non, me tue pas. Pitié. Non, je t'en supplie. Jake, fais pas ça! Me tue pas! Non, Jake, fais ça! Jake! Sayonara, connard! J'espère que l'équipe de nuit fera mieux que ces idiots. Faut nous dépêcher de manger ça. Jake va nous flanquer une patrouille aux fesses. Et quand on aura fini de se griller ces poissons, on ira se griller un masque rouge. Écoute. Non, c'est rien. On fait frire comme un œuf, les salauds. Maintenant, on va commencer à rigoler. Thank you.
Je sais qu'ils sont là quelque part, c'est mon instinct qui me le dit. Never look back, only straight ahead. Don't leave tracks, bury your dead. Watch out for strangers, don't trust no one. Stand by your friends, keep a steady run. I'm a survivor, survivor. I'm gonna make it. Whatever you do to me, I can take it. I'm a survivor, survivor. I'm gonna make it. Whatever you do to me, I can take it. Vous vous êtes fait attendre. Et je suppose que vous avez tué Franck. Ça n'a pas d'importance, il valait rien de toute façon. Vous avez tué mon chien. Maintenant, c'est moi qui vais vous tuer. Mais avant... je vais vous apprendre ce que c'est qu'un vrai combat. Hearn! Très bien pour des amateurs, mais pas tout à fait assez bien. Recule! Recule, Martin! Thank you.
C'est le dernier, gros lard. Il y a 200 000 dollars qui n'attendent que toi. Va les gagner! Je vais revenir. Et toi, sois prêt avec l'argent. Ils ont trouvé Gros Lard. Il est mort. Pris dans un de ses pièges. Et avec une flèche dans le dos. Eh ben maintenant, c'est à nous de jouer. Et plus d'armes primitives. Yeah.
sur la colline, dans un blocos. Je les vois. Jake, on a fait sauter leur blocos, c'est impossible qu'ils s'en soient tirés. Alors, qu'est-ce qu'a lancé ça? Le petit chaperon rouge? Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Je te rappelle qu'on a du boulot. Bien dégagé autour des oreilles. Ah, la meilleure arme, c'est l'Uzi. Non, pas du tout, c'est un fusil à courte portée. Oh, ici, ça sert vraiment pas à grand-chose. Non! Je vais m'occuper de ces messieurs au camp. Et moi, je vais explorer la baraque de Jake. Hé,
allez, tuez-moi ces ordures, tuez ce fumier! Il s'est bloqué, ce con-là. Tuez-les-moi! Tuez-les-moi! Tuez-les! Merde! Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que c'était que cette fusillade? C'est rien, j'ai descendu le cuistot, ça a dû les mettre en rogne. Rien de ce que j'ai amené. $200,000, la récompense offerte par Jake. Et en plus, c'est nous qui l'avons gagné. Jake va en perdre les pédales. Ah, l'argent! L'argent! L'argent a disparu! L'argent a été volé! Ah, ah, il est plus là, on l'a volé! Amenez-moi cette femme flic! Cette pute flic! Amenez-la ici! Amenez-les-moi toutes les deux! Ah, il a disparu! L'argent a disparu! L'argent a été volé! Ah! Jake, c'est pas nous, je te jure, c'est les jumeaux. Les jumeaux. Oups. C'est toi qui te garde. Fais-toi sauter la cervelle. Bidi, 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 j'étais pas sérieux. Hein? Emmenez-le, descendez-le. Non, non! Qu'est-ce que je fais des deux putes? Après qu'on aura eu les dragons. Emmenez-les, tuez-les. Toutes les deux, bien sûr. Camp de base, ici Scout 1. Avons décollé sur mon territoire. Commençons les recherches selon le plan prévu, 4-6-3-9. Nous n'abattrons pas l'ennemi avant que l'argent ait été récupéré. Scout 1, terminé. C'est peut-être pas le moment de s'endormir, frangin. Je crois avoir repéré. Obliqué à droite. À droite! Remonte! Remonte! Fred! Fred!
Non, s'il te plaît. Si, si. Non, Jake. Non, s'il te plaît, pas ça. Non. C'est les jumeaux, ils sont dans la carrière de sable. On les a coincés là-bas. Ouais, amène la Jeep, on va se les goinfrer. Tiens, Martin, prends mon arme. Voilà le fanion là-bas. On s'en fout du fanion. J'ai mal, je prendrai plus jamais d'eau. J'ai trop mal. T'inquiète, je vais te sortir d'ici. Bonjour les frangines. C'est moi qui ai le fanion. Et puis c'est moi qui ai l'argent. Vous êtes foutus. Descendez-les-moi. Tuez-les-moi! Allez-y, tuez-les! Ah. Ah. Ah.
veux. C'est moi qui paye. Lève-toi, Limace, debout, debout, trouillard, debout. Un fantastique jeu de survie, le suprême jeu de survie. Eh bien, tu l'as eu cette fois. I know.